ce n'est pas la vallée de la peur, mais c'est l'Ouest tout de même. Plus précis, c'est l'ouest d'Ermenonville et de la future autoroute Nord, à deux journées de marche de la porte Saint-Denis, au cœur de Richardland. Et quand il se passe quelque chose, le boss n'est jamais bien loin. Jean Richard, car c'est lui, bien sûr, vit là, tout près, avec femme et enfants. Bon, j'ai ici trois enfants. Le dernier né à 15 jours, c'est un cirque d'été. Et puis la mère de Sap, il y a 2 ans. Et enfin, l'aîné, le zoo. Le zoo est un enfant qui m'a donné pas mal de soucis dans sa jeunesse. Il y a même un journaliste qui a écrit un jour au sujet d'un film que j'avais tourné et qui, croyez bien, n'était pas destiné au Festival de Cannes. Il a écrit « Jean Richard est le seul homme au monde qui se permette de nourrir des lions avec des navets ». C'est amusant et c'est vrai. Allez, J'ai toujours eu envie d'avoir des animaux. J'en ai eu peu, puis un peu plus, puis davantage. Et puis un jour, je me suis trouvé dans une situation qui menaçait d'être dramatique, ne serait-ce qu'au point de vue de nourriture. J'avais deux solutions, ou vendre ce que j'avais, ou en acheter 10 fois plus et ouvrir au public. J'ai pris la deuxième solution et je ne regrette rien. Je regrette seulement une petite chose, c'est qu'à la base de ça, il y avait quand même l'amour des animaux, l'amour d'être entouré par des animaux. Et puis le nombre n'a pas tué cet amour, mais l'a rendu difficile. Il est évident que j'ai par exemple ici en ce moment, si vous voulez, 60 à 65 singes. Ouais, je fais obligatoirement preuve de favoritisme. J'aime mieux les gentils. Bon, voilà une pièce de collection assez rare, c'est un véritable ours Kodiak. C'est la plus grande variété d'ours. Vous voyez vous-même, je fais 1m80, il doit faire quelque chose comme 2m60 debout. Dans la nature, il mange beaucoup de poissons, et là il ne crache pas sur les carottes, comme vous voyez. Je considère que c'est très moche de mettre de ces animaux dans des volières. Ils sont vraiment faits pour faire partie d'un paysage, avec une pièce d'eau préférence, bien sûr. Des flamands, des grues couronnées, demoiselles de Numidie,
des canards de toute race, des oies de même. Pour le premier animal que j'ai dressé, je vais vous raconter ça. Ça se passait à Niort, il y avait une ménagerie qui s'appelait la ménagerie de Martha Lacorte, une ménagerie importante. Alors ma mère me laissait à 2h d'après-midi chez Martha Lacorte et me reprenait à 7h le soir. Et sur une cage, il y avait écrit, la cage d'une liège, il y avait écrit « Le pauvre est acquis entre avec ». Et alors, je rêvais, que j'avais des rêves de hyène. Alors, je disais toujours à mon père, mais j'avais 8 ans, je voulais rentrer avec la hyène. Mon père me laissait dire, puis un jour, quand même, c'était un peu trop, il m'a planqué une bonne paire de claques. Alors, tous mes rêves de hyène se sont dissipés. Et alors, de dépit, je suis rentré dans le poulailler avec une fourche et un fouet, et j'ai dressé un coq. J'ai rendu ce coq furieux, il a fallu non pas le tuer, mais l'abattre. Voilà ma première entrée de cage. Tu as faim, mon Dieu. Sans fourche ni chambrière, Madame Jean-Richard réussit également bien en matière de dressage. Souvent, des gens me disent, vous avez beaucoup d'activité, vous prenez jamais de vacances. Erreur, je suis toujours en vacances, ce qui n'est pas pareil puisque je fais ce qui me plaît. Donc, je réalisais un grand rêve, c'est celui de faire du cirque. Je partais en 57-58 sur les routes de France. Et non seulement je n'étais pas déçu par le cirque, mais je dois me dire même, c'est étrange, que ça m'amenait une démangeaison tous les ans, au mois de mars, quand les cirques prennent la route, une espèce d'envie de repartir, difficilement conciliable avec mon métier d'acteur, que je conserve quand même. Et je viens de construire ici, mon dernier né, il a 15 jours, un cirque d'été. C'est à la fois un merveilleux terrain d'essai pour des numéros de dressage et des numéros de cirque en général, et qui en plus est pour moi un merveilleux calme. Allez, soupirez. Mais vous avez en piste en ce moment un des hommes de cirque les plus complets que j'ai connus. C'est Joe Clavel. D'abord, c'est mon ami. Ensuite, c'est mon directeur du zoo. Ça a été un des plus grands numéros aériens sous le nom de Dinatz. Ça a été un des plus grands porteurs au trapèze volant. Avant de s'attaquer aux fauves, il a dressé chez les frères Bouglione longtemps, lions, tigres, des très gros numéros d'animaux. Et il s'attaque même maintenant à ces charmants clowns que sont les chimpanzés. Recommencez, c'est pas bon ça, mes enfants. Vous avez en piste sûrement le plus jeune écuyer français, 14 ans, Lucien Grus. Maintenant, il a de qui tenir, puisqu'il est le fils du plus grand de nos maîtres écuyers, Alexis Grus. C'est rare d'ailleurs de trouver une autorité en piste chez un garçon de cet âge. Quant au dressage des chevaux, le public ne se rend absolument pas compte de la difficulté du dressage des chevaux. Pour lui, le cheval, c'est un animal domestique, donc facile à mener. Or, je ne veux pas m'étendre dans les dissertations sur le dressage qui seraient très longues, mais pour vous donner une image, sachez seulement que vous mettez au point 3 numéros de lion ou de tigre pendant que vous mettez au point difficilement un numéro de chevaux en liberté. J'ai créé la mer de sable parce que c'était un lieu merveilleux qui avait été fermé et ouvert au public moyennant un prix d'entrée, car je tiens bien à préciser que ce n'est pas moi qui ai mis de faire autour de la mer de sable, ça y était avant moi. Et vous voyez, je suis resté un grand enfant et je crois qu'il faut le rester le plus longtemps possible.
crée une espèce de petit univers à la Méliès. Il me manque mon voyage dans la Lune, ça viendra peut-être, qui sait. J'ai même mes gardes du corps, là, ce sont pas des gorilles, ce sont des vrais cow-boys. Je ne peux pas vous les garantir authentiques du Texas, mais ils en ont l'air quand même. Et là, on circule, on a l'impression de circuler dans les parties du monde. Parties du monde en... Un tour du monde en 10 minutes, si vous voulez. Le Sahara, les chameaux, les palmiers, l'Europe, qui s'appelle Champignol, heureusement. Et puis, plus loin là-bas, l'Asie. Dire que tout cela attire beaucoup de monde est sans doute superflu. Ici, le dimanche, entre 15 et 20 000 personnes. Autrement dit, Hermenonville, c'est un pays de 500 habitants qui a 10 000 personnes en semaine et entre la mer de sable et le zoo, 35 000 habitants le dimanche. Ça pousse comme un champignon. Dans une zone difficile et dangereuse. Il y a même un endroit où ma tête est mise à prix. Ah, voyez, ça se gâte. J'ai des cow-boys de rechange parce qu'ils font ça au moins 5 fois dans l'après-midi. Montez sur un manège ou ça, là. Hein? Oui. Oui. T'as mis un soupe dedans? Oui. T'as mis un soupe dedans? Maman, c'est ma tata. Ah, c'est ta tata. T'as pas de soupe? Ah non, c'est ta tata, il faut regarder. Hein? T'as beaucoup de soupe, ta tata. Il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus, là. Ah, ben voilà. Ton tonton va en fabriquer, alors. Hein?